Olha
Que nous recevons est véritablement un homme que Dieu nous a envoyé afin que l'église soit bénie et que le pays soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus très fort? Alors demain vraiment nous allons nous organiser pour qu'il y ait la lumière aussi dans la foule. Je voudrais simplement vous dire que les pères sont là. Vous voulez que je vous les cite? Alléluia. Apôtre Bouka Joseph. L'apôtre Bafungisa Jean-Baptiste. Apôtre Francis Gadenga. Apôtre Malé. Le pasteur Loubota, le président du Conseil supérieur des églises de réveil au Congo. Alléluia. Est-ce qu'on a Bossani Mouko? Pardon? Anga Moko. Alléluia. L'évêque Léandre Maré Meyuna. Je voulais vous dire, mes bien-aimés, que nous allons passer 3 jours. Mais je vous dis, mes bien-aimés, 3 jours, le pays sera en feu, spirituellement. Alléluia. Avec la compagnie de groupe de louange, qui est la sélection de tous les talents que le Seigneur nous a donnés dans le cadre du corps de Christ qui sont là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Ardent? Pour Papa Ardent, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alléluia. Amen.
Je ne peux pas les citer tous parce que nous courons derrière le temps. Mais je voulais vous dire, bien-aimés, que nous sommes aussi pendant ces trois jours avec l'évangéliste Moïse Matuta, qui sera avec nous, et tout son groupe. Mais nous sommes aussi avec le groupe de louanges qui vient du Gabon, de Lumière Chrétienne, qui sont là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous bénissons le Seigneur parce que il y a un homme. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse lui-même. Il est mieux placé pour la présenter. Et c'est lui qui va nous bénir. Je vous l'ai dit ce matin, mes bien-aimés, le Seigneur lui a parlé sur notre pays. Alléluia. Je peux résumer ce qu'il a dit. Que le peuple du Congo qui était assis dans les ténèbres verra une grande lumière. Gloire à Jésus. C'est pourquoi sans plus tarder, je vais appeler le prophète béni Ngobina qui vient du Gabon sous vos acclamations. Vous allez acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Parce que je glorifie le nom de l'Éternel, qu'il soit élevé et que le corps s'abaisse et que l'esprit s'élève. C'est une grande bénédiction pour moi de me trouver devant vous, en compagnie des pères, vous voyez, ma compagne, pour que le corps de Christ reflète ce que nous avons longtemps recherché, l'unité. Alléluia. Un journaliste me demandait tout à l'heure là que, mais pourquoi cette affiche, on voit les pères. Je dis, mais Christ est un seul corps. Et que si je viens au Congo sans les pères, c'est comme si je venais en vacances avec mon épouse. Mais si je viens au Congo pour Christ, il faut bien que les pères soient avec moi. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce que ça s'est fait. Et ça va continuer comme ça pour que le nom de l'Éternel seul soit glorifié. Merci encore les pères, que Dieu vous comble. Merci. Alléluia. On aura besoin de plus de lumière parce que je ne vous vois pas bien, mais je vous vois. Alléluia. Nous allons passer, comme l'a dit l'homme de Dieu qui est passé avant moi, évêque Miyuna, que j'appelle Bishop Miyuna, que nous allons passer trois jours intenses dans la présence du Seigneur. Il fera des choses. Vous savez, quand Dieu veut réaliser des choses, il n'a pas besoin d'avoir tout Brazzaville ici, parce que l'endroit est petit pour tout Brazzaville, mais il a besoin de toi qui es là, pour impacter la nation. Alléluia. Glorifie encore le nom de l'Éternel, tu peux l'acclamer. Alors, nous pouvons prendre nos Bibles, même si tu n'as pas de lumière. On va prendre nos Bibles. Vous pouvez vous asseoir, hein? Vous pouvez reposer, ne vous inquiétez pas. Prenons la Bible, nous allons lire deux passages. Le premier passage, c'est Jean, au chapitre 1, du verset
Avant de continuer, hein, j'ai failli à une. Je trouve ça une obligation protocolaire et même d'éthique. Tu ne peux pas me voir le ventre qui suis devant toi et ne pas voir mon dos. Quand tu vois le ventre, c'est que le dos suit. Donc, lumière ou pas lumière, je vais te présenter ma lumière. Mon rayon de soleil, même s'il est 20 heures, mais mon soleil brille toujours. Celle qui porte mon nom. On a juste les prénoms de différence. Elle s'appelle Elisabeth, ma sainte épouse. Elisabeth Ngwambina qui m'accompagne. Viens, 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 viens. Alléluia. Je vais aussi présenter, si les autres peuvent s'approcher, le pasteur local, Théodore Moussanga. Le pasteur Franck Lapoule, l'évangéliste Moketou, le pasteur Armand, l'apôtre Mbumbe Emilienne, la prophétesse Gabrielle Meunier, alors, c'est le pasteur local. Le pasteur local, Franck Moketou, il est là, non? Ah. Moussanga Théodore, c'est le pasteur local de l'église de la lumière chrétienne à Libreville. Celui qui gère l'église à Libreville. Zavella Elisabeth Ngwambina, mon rayon de soleil. C'est la lumière de ma chambre. L'évangéliste Franck Moketou. Le pasteur Franck Lapoule. L'apôtre Mbumbe Emilienne, ma fille aînée. La prophétesse Gabrielle. Elle est là. Elle vient de se marier. Elle sort des noces. J'ai dit allons. Le Seigneur appelle. Lui, c'est le pasteur Armand, le chanteur, principal de l'église. Il sort les albums et les albums de louanges. Et il fait chirurgie. Là, c'est dans son travail de tous les jours. Mais bientôt, tu vas laisser ça pour être à temps plein. C'est de couper les chairs des gens. Et c'est son épouse, Georgette Maganga. Et lui, c'est mon fils. Il a son église au Cameroun, pasteur Bertrand. Donc, il est venu tout droit du Cameroun pour prendre part à ces moments intenses. Sois béni, fils. Et lui, c'est le Congolais. L'apôtre Jules, il est là déjà parmi vous depuis un certain temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et je rends aussi gloire à Dieu pour toi qui es là. Na pamboli nzambe pona yo oyoza awa. J'ai oublié de dire mbote. Malamu. Malamu ou bien malamouté. Voilà. Vous savez que vous êtes libota nangai, ok? Amen. Donc je suis à la maison. Nazana kati nanda konangai. Alors nous prenons nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 1, du verset 1 à 5. Zwa Biblia na yo, fongola buku na yoani mokapo. Si quelqu'un peut lire.
Si quelqu'un peut lire. Jean. Je souhaite quand même que si quelqu'un a un projecteur là, les caméramans là, il faut quand même éclairer la partie là. On va opérer ici tout à l'heure. Bosunga biso toza la na lumière na liboso a. Potrosala musala kalate. Ma caméraman, ceux qui vous ont un projecteur, boti ango na liboso a. Le projecteur qui donne là, on peut le tourner pour ici. Alléluia. Les caméras des extrémités là, si on peut les virer ici comme ça. Le noir là, c'est comme ceux qui font l'occultisme. Nous, on est dans les enfants de lumière. Alors, tu peux lire Jean 1, du verset 1 à 5. Jean 1, 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je veux qu'on parle de la parole. Parce qu'aujourd'hui, la parole est un peu interprétée. Selon que chacun veut se satisfaire. Et on finit par oublier que la parole reste la parole. La parole qui est Dieu. La parole qui a toujours été là avec Dieu. Et la parole qui était Dieu depuis le commencement. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de la parole, nous devons comprendre qu'il s'agit de Dieu. Et la Bible dit clairement que rien n'a été fait sans elle. Ça veut dire que rien ne peut se faire sans elle. Et que rien ne pourra se faire sans elle. Dieu vit donc dans sa parole. Il est avec sa parole. Et il est sa parole. Ce qui signifie que quand la parole est proclamée, c'est Dieu qui se déplace. Et la parole de Dieu ne revient pas sans avoir produit des faits. C'est pour cela qu'on peut dire: sois guéri et tu reçois la guérison. Parce que Dieu se déplace et vient s'accomplir à travers lui-même qui est la parole. Donc Dieu fait quoi? Il est lui-même la proclamation. Il est lui-même le véhicule. Et il est lui-même celui qui accomplit. C'est-à-dire le réalisateur. Alléluia. Donc dans la parole, nous avons la parole. Parler. Et la parole écrite.
seras limité. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand Satan vient tenter Jésus, il est écrit que tu pourras même te jeter du haut de cette montagne, il va te protéger. Je paraphrase. Jésus lui dit, il est écrit. Mais quand ils sont en train d'avancer dans la discussion, Satan ne se rend pas compte qu'il est là en face de Dieu. Il a créé. Satan va continuer à dire, il est écrit. Satan a commis koloba et komami. Jésus va le coincer en disant, na koloba boy. Il est dit. Et komami. Alléluia. Non. Donc entre dire, ça dit parler et écrire, c'est deux choses. Kati na koloba, na kokoma, ezama kambomi balé. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre le discours qui un discours plat. Boke se nezali kati na biloba loba. Et une démonstration de la puissance. Mpe na likambo ya kotalisa polele nguya. Maintenant regarde. Yoka. Je dis parole écrite. Nalobi ni loba ni komami. Si tu te limites à ça, tu seras, tu ne verras pas les grandes choses de Dieu. Soki yo misuki sikaka na lilobo e komami okobona makambo minene ya nzambete. Merci. J'ai toujours besoin d'espace. Regardez, je vous prends un cas simple. Si tu prends toutes les bouteilles de whisky, tu les mets dans une chambre, tu dors au milieu de toutes ces bouteilles-là, tu ne seras pas bourré. Alléluia. Tu ne peux pas. Mais si tu prends une bouteille, tu consommes cette bouteille, là, tu changes. Alléluia. Amen. C'est comme quand tu prends la Bible. Il y a des chrétiens, ils prennent la Bible, ils ouvrent la Bible. Généralement, ce sont les sommes. Pour se protéger. Et il met ça sous l'oreiller. Laisse-moi te dire que le diable n'a pas peur de ça. Tu prends le chapelet. Tu attaches ça à la main. Le diable n'a pas peur de ça. Tu prends même la Bible. Tu marches avec ça partout. Le diable n'aura pas peur de toi. Lisons Ézéchiel. Chapitre 3. Du verset 1 à 3. Banda molongo ya liboso kino ya misato. Lisons. Totangi. En français d'abord. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. Amen. Le rouleau, c'est en image matérielle et physique, c'est l'image de la parole de Dieu parce que c'était des rouleaux. Avant la version qu'on a aujourd'hui de feuilleter la Bible, c'était des rouleaux. Et les Juifs aujourd'hui continuent à utiliser le rouleau. Dans le judaïsme. Le rouleau ici, c'est la parole de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, mange ce rouleau. Il n'a pas dit Ézéchiel, lis ce rouleau. Il a dit, mange le rouleau.
Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il faut que la parole de Dieu soit en toi, pas hors de toi. Ne limite pas à lire la parole de Dieu, mais il faut que la parole de Dieu soit en toi. Parce que c'est quand la parole de Dieu est en toi que ça produit des effets. C'est à ce moment-là que tu peux dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu vas te mettre à contextualiser, à matérialiser ce que Dieu a dit pour que ça s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Vous savez, nous avons des traditions où nous avons les gadgets. C'est pour cela que la religion a attiré beaucoup de monde. Parce que la religion a les mêmes pratiques que le monde. Les chapelets. Bah, chapelet. Parfois, quelqu'un pense que c'est quand tu vas prendre la croix, tu poses ça sur le front, que tu es protégé. Tu n'as pas peur de te protéger par des gadgets. L'enganga. Banganga. Ils utilisent aussi les mêmes choses. Je pose souvent la question à quelqu'un. Est-ce que tu es sérieux? Que quelque chose qui est censé te protéger, tu portes encore ça au rein. Ce qui te protège doit être en toi. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, face à une situation, quand l'Esprit de Dieu est déjà en toi, tu as déjà mangé le rouleau. Quand une situation se présente, tu te tiens là. Tu dis, moi, Luc 10, 19 a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Tu dis, je mets ça en pratique. Toi, tu ne peux rien me faire. Parce que cet héritage-là, je ne me borne pas à lire seulement, c'est à moi. Donc quand tu dis à la maladie, toi, dégage. La maladie sait que ce n'est pas toi qui parles. Ce n'est pas le prophète béni qui parle. Il sait qu'en lui, il y a quelqu'un. C'est par cette personne-là que je parle. Je ne sais pas si tu me suis. Satan n'a pas peur de toi. Satan a banga kayote. Il faut que tu le saches. Yeba ngolelo. Il n'a pas peur de tes prières. A banga kapeba ba mabondeli nayote. Ce que Satan redoute. Yeloko Satan a banga ka. C'est celui qui est en toi. A banga ka o azakati na yo. C'est celui-là parce que quand tu as mangé le rouleau. Quand la parole de Dieu est en toi, il y a l'effervescence. Et quand la pression monte en face, il sait qu'il y a quelqu'un de dangereux, il faut que je le laisse passer. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de polluer l'évangile de Jésus-Christ. En disant aux gens, oh mais, pourquoi vous suivez les miracles? Il faut seulement la parole. Mais parce que tu ne sais même pas ce qu'on appelle parole. Parce que tu ne peux pas parler de parole sans parler de miracle. Parce que Dieu lui-même était miracle.
miracle. Il agit sans moyen d'expression, c'est le miracle. Maintenant, toi qui suis la parole, quand tu pries Dieu dans ta chambre, tu veux qu'il agisse de quelle manière? Hein? Il doit agir comment? Il vient ouvrir la porte. Coco. Après, tu ouvres. Tu dis, oh Dieu, tu es là. Et si manangoyo fungolo bi, oh, nzambe, ezayo. Tu m'as apporté les jouets. Oh, me melinga ba jouets. Non, Dieu répond par le miracle. Nzambe yango la kanabika moi. Tout ce que Dieu a fait, il a fait par miracle. Nyonso nzambe asala asala ango na nzela na bika moi. Et la parole ne peut pas être prêchée sans qu'elle ne s'accompagne des faits. On n'est pas dans le Dieu de la religion. Le Dieu de la religion qui dit heureux les pauvres, car le royaume des cieux est pour vous. Et puis on vous dit, allez avec vos péchés. Toi, si tu dis, reste avec pour toi. Après ma émission, kende na masumu na yo, e umela na yo. Après, on te fait manger les chips. Si manango balaisi yo chips. Et on y va attendre le ciel à la maison. Alobi kende ko se la lola na ndako. Dieu n'a pas dit ça. Dieu est Dieu. Le christianisme impuissant, c'est lui qui dit que Dieu nous attend au ciel. Ce n'est pas une information. Nous sommes enfants de Dieu. Le ciel est déjà pour nous. Lola est déjà ya biso. Mais sur terre. Pendant que nous sommes là, nous devons démontrer la puissance de Dieu. Quand tu dis que tu es chrétien, on doit le lire sur toi. On doit le voir sur toi. Quelle parole vous prêchez qui ne produit pas d'effet? Ah non, vous suivez quoi? Nous sommes assis sur la parole. C'est ça, il faut être assis sur la parole. Il ne faut pas suivre les miracles. Effectivement, la parole ne va pas produire d'effet parce que vous êtes assis sur la parole. Or, il faut être sous la parole. C'est la parole qui doit te couvrir. Donc quand tu dis que tu es assis sur la parole, tu peux comprendre qu'elle ne peut pas avoir d'effet. Parce qu'elle est étouffée. Oyebi, tu sais, Dieu est dans sa puissance. Et l'expression de Dieu, c'est la puissance. Pourquoi Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Il n'a pas dit, toi, fais ceci. Il dit, je vous donne quoi? Le pouvoir. Les enfants de Dieu sont aujourd'hui comme quelqu'un qu'on nomme directeur général dans une administration. Et puis quand tu arrives au bureau, tu n'as même pas de secrétaire. Tu n'as même pas de véhicule de service. Tu n'as même pas les primes de fonction. Mais tu vas regretter le poste, non? Mais wana komile la lela likolo na musala ngoti. Si on te nomme que tu n'as pas les attributs de pouvoir, tu vas te sentir comment? Ba nomeyo, mais ozangi
Tu vas te sentir comment? Parce qu'il faut que ton poste, ta fonction soit accompagné des attributs. Pour ce qui est de pesio, parce que la fonction s'accompagne d'un certain nombre d'avantages, un nombre de responsabilités. C'est comme nous, enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois refléter cette brillance. Regarde, Jésus t'a laissé le pouvoir. Yesu atikela yo makoki. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Amisa lisa mobola pour te yoza la mozui. Et tu pleures toujours dans la précarité. Ne yoza kolela tango nyoso kati na kokelela. Il s'est fait meurtrissure pour que toi tu sois guéri. Sauvé. Atika azoka zoka po yo obiki sa mananzoto. Et toi tu coupes toujours dans maladie après maladie. Me yo ozoko umela kaka bokono yo simana mosusu. Tous les scanners sont finis. Ba scanner nyoso osilisi. Toutes les maladies, les médicaments sont finis. Le docteur a même déjà enlevé ses lunettes pour dire on va encore te prescrire quoi. Le docteur a siri kolongola kutu maneti na lobi bo na komela yo lisusu nini. Tu es enfant de Dieu. Osa mwana na nzambe. Il t'a donné le pouvoir. Apesa yo pifo de devenir enfant de Dieu. Apesa yo pifo o koma mwana na nzambe. Et il t'a dit bien que ce pouvoir là. Et pe alobeli yo malamu ete. Et il te dit dans Luc 10, 19, comment exercer ça? Alors, bien, Luc 10, 19, n'enga nini au salé la yango. Le pouvoir que je t'ai donné quand tu es devenu enfant de Dieu. Le pouvoir, on appelle ça yo, au comme moi, dans un zambé. Voilà comment ça va fonctionner. Tala n'enga nini yango et qu'au salé. Mais si je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu as déjà exercé ton pouvoir? Aussi, au salé la, ma coquille, on zambé, appelle ça yo. Il n'y a qu'à voir comment tu fais ou comment tu y es. Pour savoir que tu ne l'exerces pas. Et c'est qui qu'a kotala yo, pe kotala lolenge osali na lolenge osala kapona koyeba ke osale la kanguya ngote. Les plus grands peureurs ce sont les chrétiens aujourd'hui. Bibanga banga bato baleki bomo ezaba Christ. Les enfants du monde sont premiers en classe. Bana na mokili bazo bima ya liboso na ba classe. Et les enfants des chrétiens ne sont pas premiers. Bana ya ba Christ baza ya liboso te. Mais ils ont la parole. Qui dit Deutéronome 28:13. Tu seras toujours la tête et non la queue. Mais tu ne te rends même pas compte que tu es à la queue. On veut même te mettre devant, tu dis non, nous les chrétiens, c'est toujours derrière. Mais tu as la Bible. J'ai la parole. Tu vas où? Je vais à l'église. Je vais à l'église. Na quelle église? À l'église. Na quelle église? Alors, aujourd'hui c'est dimanche, je vais à l'église. Le pasteur a dit quoi à l'église? Oh! Le pasteur a l'église. Il a prêché la parole. Sakoliloba. Et après avoir prêché, qu'est-ce qui s'est passé? Si banako sakola, loko dine salemaki. On verra ça dimanche prochain. Tokomona ango dimanche ezoya. Ça veut dire dans une église, hein? Il y a des responsables, là, les diacres, les anciens. Et quelques pasteurs. Ils faisaient la délivrance à une âme. Le démon dit, je ne pars pas. Ils sont allés chercher le pasteur. Le pasteur est venu. Pasteur aïe. Il dit, alobi boy, eh, sors au nom de Jésus. Bima na kombo na Yesu. Sors. Bima. Le démon dit, je ne sors pas. Démon zongi se avina bimate. Sors. Bima. Après, le pasteur, il a vu sûrement que c'est compliqué. Pasteur la monie était le kambo et ma casse. Et puis il demande au démon, mais tu sors quand? A tout ni démon, yoko bimaler ni. Et le démon lui dit mardi. Démon, j'ai dit que c'est mardi. Et il dit aux enfants qui étaient là, ah, vous avez suivi, hein?
Lui-même a dit mardi. Vous voyez ça? La parole dit, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit vous négocierez avec les démons. Il n'a pas dit que tu vas négocier avec la maladie qui te dérange. Il n'a pas dit que tu vas négocier avec les traditions ancestrales. Il n'a pas dit que tu vas négocier avec le célibat. Il n'a pas dit que tu vas négocier avec les gens qui bloquent ton ministère. Les gens qui bloquent tes dons spirituels. Il a dit vous chasserez. Et vous savez que le mot chasser il est violent. Il n'y a pas de tendresse. Quand il faut chasser, on chasse. Mais toutes ces choses là arrivent pourquoi? Parce que nous sommes plongés dans la chrétienté impuissante. Mais Dieu n'a pas changé. Et il ne changera pas. Ce qu'il a dit est là. Peu importe comment tu prends ça. Mais j'ai envie de te dire que l'heure du prophétique a sonné. L'heure du prophétique a sonné. Il faut compter sur Dieu à 100%. Alléluia. Amen. De la même manière que Dieu va t'élever. De la même manière que Dieu va bénir ton ministère. De la même manière que quand tu vas faire les affaires pour soutenir ce ministère, Dieu va bénir tes affaires. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime parler de manière très pratique. Parce que Dieu m'a enseigné la pratique. Vous savez, moi, je suis né dans l'église évangélique. Par mes parents. Mais je n'étais pas chrétien. Et quand j'ai reçu Jésus-Christ, il a commencé à m'élever. Mais déjà quand j'étais étudiant, j'étais leader étudiant, étudiantin. Quand j'ai décidé au Gabon, vous pouvez vous renseigner. Renseignez-vous. Quand Benin Gwambina. Mbina disait au Gabon, il n'y aura pas cours de l'université jusqu'au primaire. Il n'y avait pas cours. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous renseigner. Les autorités, les étudiants, les élèves, quand, même si le ministre dit vous commencez l'école, ils vont dire Benin n'a pas encore dit. À ta ministre à lobby, bana bozonga l'école, bako zongi se lève à lobby, Benin à lobby n'a noté. Quand un ministre vient à l'université, tango ministre à la qui koyana université, je lui dis vous avez 5 minutes pour sortir d'ici. Na renga na koyebi senga lobby tata, ozana minute mitano po bimao. J'avais commencé la révolution, pourquoi? Parce que je connaissais mes droits. Un enseignant s'est amusé un jour à me dire que toi, tant que je suis là, tu ne passeras pas. Mais il est mal tombé. Mais à quoi j'avais bien fait mon examen. Na salaki examen nga malamu.
Ils m'ont donné une note éliminatoire. J'avais eu la moyenne partout. Mais dans le système qu'on avait, si tu as une note éliminatoire, tu échoues. Mais le système où tu as une note à Kolongola, donc au Koïsami. Moins de 5 sur 20. Et l'inkolobasoko suit moins de 5 sur 20. Ils m'ont donné ça dans une matière. Ma pessinga yango na katina cour moko. Que moi je maîtrisais bien. Nzoka nena tangaka yango malam. Et j'ai fait comme les textes de l'université le recommandent. Na sala ki ndenge makomi ya université et lobby. J'ai demandé selon le règlement intérieur de l'université. Na sengi kolandana na mobeko ya kati o ya université. Une double correction. Na sengi batsonge la ko corriger. On a envoyé les copies en Afrique du Sud. Batindi ba copie wana en Afrique du Sud. On a envoyé à Nantes en France. Batindi mususu na Nantes kuna na France. On a envoyé à Cheikh Anta Diop au Sénégal. Batindi pe na université Cheikh Anta Diop na Sénégal. Quand les trois moyennes arrivent, quand les trois notes arrivent, j'ai la moyenne dans toutes les trois corrections. Tango ba réponse ya ba correction na zongi na nyonso misatu na zalaki na moyenne. Mais ils ont décidé que pour que les autres ne continuent pas à le faire, on ne va pas me donner ma note. Alors quand j'ai su ça, je suis quitté le campus, je suis allé à la maison. J'ai cherché dans le quartier. J'ai pris une chaîne. J'ai pris un cadenas gros. Nazui chaîne monyololo na cadenas clé. Je suis parti trouver le doyen le matin. J'ai mis ça dans le sac. Na tienne sac nanga na kekota la doyen université na Tongo. J'ai dit à la secrétaire du doyen, je vois le doyen. Na yebisi secrétaire na na lingina mona doyen. Le doyen occupé pour pas recevoir. Oh non, doyen na misala mingi moya ya mezate. Elle ne savait pas que je ne suis même pas là pour attendre. Je suis entré au bureau du doyen. J'ai dit au doyen. Où sont mes notes? Il me dit, monsieur, vous entrez comme ça. Et puis j'ai dit, monsieur le doyen. Mes notes. Il me dit, de toutes les façons, vous n'avez pas eu la moyenne. Or moi j'ai déjà l'information que j'ai la moyenne. Je lui ai seulement dit, vous croyez en Dieu? Il me dit, oh ben écoutez, Dieu. Et pourtant j'étais païen. Il ne m'a pas répondu. Réponse, il me dit, si vous faites du trouble, on va vous renvoyer. Alors, il n'y a pas de boulot à Benganayo. J'ai dit, monsieur le doyen. Na lobby doyen. Si vous me renvoyez, vous allez déménager de Libreville. Soki bo benganinga na l'école awa, yo, okolongwa Libreville. Et j'ai dit, pour vous dire comment je suis venu, vous aurez de mes nouvelles. Pona ko yebisa na yendenge nini, okoyoka sango nanga. Je suis descendu, comme il était à l'étage. Lokola tozaki na étage na kiti. Et l'entrée principale du décanat, c'est les grilles là, les grilles. Na ekuke ya monene porte principale, et akina bikuke antivol. Alors je suis venu à l'entrée. Na komina ekoteli. J'ai fermé les battants. Na kangi bikuke mibale. J'ai enchaîné. Na tie monyololo chaîne na yakina. J'ai mis mon cadenas. Na kamati cadenas na nga na tie. Seul. Ngai moko. Et donc le doyen était emprisonné dans le bureau. Avec tout le personnel. Et pendant que j'étais devant le décanat, les étudiants commençaient à venir. Que trop c'est trop, vraiment merci. Oh non, en tout cas merci. Donc c'est là où j'ai compris que je n'étais pas seul. Mais comme moi j'ai pris le courage selon ce que je sais dans mes droits. Le ministre était obligé de m'appeler. J'ai dit je ne viens pas, c'est pas politique, c'est scientifique. J'ai dit mes notes. Et j'ai tenu un grand meeting des étudiants.
Et j'ai dit à partir d'aujourd'hui, l'université est fermée. Université est kangami. Le jour suivant, Mokolo elandi. J'ai dit le recteur, tu sors du bureau aussi. Na lobi recteur yo pale. Bima na kati na bureau. J'ai dit c'est nous les recteurs maintenant ici. Biso de to komi ba recteur. Comme vous ne voulez pas bien travailler. Lokola balingo sam sala malamu te. Nous sommes tous des recteurs. Biso nyoso to komi ba recteur. Et les étudiants m'ont dit ba étudiant ba lobelinga. Toi tu es recteur des recteurs. Yo de recteur. Kolo na ba recteur. Et je suis allé au bureau du recteur. Na kena bureau ya recteur. Je me suis assis. Na fani. J'ai dit la situation est contrôlée. Na lobby. Situation est allée sous contrôle. Le recteur a fui. Recteur a kimi. L'université est restée dans nos mains. Université tikali na maboko na biso. Le président Bongo a dit non, il faut appeler ces gens-là. Le président Bongo lobby bobengelanga batuana. J'ai dit je ne viens pas. Na lobby na koyate. C'est scientifique. Les gens lui ont dit le petit là c'est un petit impoli. Mais dans sa sagesse il a dit il y a sûrement un problème. Et comme je ne pouvais plus faire quoi que ce soit là, j'ai décrété aussi qu'au campus on ne payait plus les chambres. On a dit tout est cadeau. Tout est comme cadeau et comme offert. Et quand un responsable de la présidence est venu, je lui ai dit, allez dire au président que nous sommes en train de faire sa politique. Sa politique de solidarité. Politique naie oya bomoko. Donc tout est cadeau. Nyon se komi ofele. Ça a chauffé. Nebisio. I'm telling you. Eyaki moto. Eyaki moto. Je suis parti aux États-Unis. Naki America. Et puis ce qui s'est passé, c'est passé. Et puis ma camboe le kanaki eleki. Et comme le président aimait toujours négocier. Loko la président azalaka ko sepela ko solola likambo. Je suis revenu. Na zongaki. Vous savez comment il faisait? Webi nenga zalaki ko sala. Quelques bongo dollars et puis c'est bon. Apesio moi ba dollars et puis likambo si. Alléluia. Amen. Il m'a mis à l'aise. Atinga à l'aise, vous comprenez? Ah. Et j'étais un opposant radical quand je rentre en politique. Tango na eko kota politique na komi motele meli oya ningana kati. Mais le président a dit, président Koloba, tu es un jeune gabonais. Mais yoza elenge gabonais. On doit travailler ensemble pour le pays. Et sengeli to sale longo pona kobongisa mboka. Et il m'a nommé à des hauts postes de responsabilité. Apesinga misala. Les gens lui demandaient même que le petit là, il y a des francs-maçons qui sont venus me trouver au bureau. Ils m'ont dit, mon petit, le poste que tu as là, poste au yoza nango, il faut que tu adhères pour garder ça. Et c'est quel yo au côté osa la moko na biso pour obater la poste wana. Et j'étais directeur de Sogatra. Ngai nazaki directeur ya Sogatra. Société gabonaise de transport. Donc société gabonaise de transport. Une société d'État. Une société à l'État. Je sais pas l'équivalent ici à Brazzaville. CFCO. Voilà. STP. Ah. Voilà, ça dit tous les transports urbains, interurbains du Gabon. Et l'ingi goloba, donc, on y a ce qui me salait à Kokumba, tout transport en commun, nyonso. Voilà. N'a pas continué en go. Il y a l'État. Les gens disaient, mais un petit. Bah, tu vois, moi petit, oyo. Et les gens là, quand je les ai chassés de mon bureau, quand on a bengala qui bango na bureau nanga, j'ai dit, hé, vous avez 10 secondes pour sortir de mon bureau. Quand on m'a proposé un gabo franc-maçon, on l'a bango, on a 10 secondes. Je leur ai dit, je suis chrétien. Ils me disent, mais nous aussi on est chrétien. J'ai dit, vous priez où? Oh, ils ont les chapelets. J'ai dit, non, 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 monsieur, on n'a pas le même Dieu. Mais vous êtes dans quel courant philosophique? Je leur ai dit, mais je suis déjà dans une loge. Ma loge s'appelle l'ordre de Melchisedec. Loge nanga komo nango molongo ya Melchisedec. J'ai dit,
trucs là, c'est des petites choses. Franc-maçon, c'est quoi? C'est quoi franc-maçon? C'est ce qui rend l'Afrique comme ça. Avec le Bouiti, l'hérite initiatique, l'Onjomi, tout ça. Avec le Vaudou, c'est pareil. C'est les ténèbres. J'ai dit, je suis dans une loge où on boit du sang. Sans modération. Le sang de Jésus. Et tu viens me parler franc-maçon. Pendant que je bois le sang de Jésus, tu viens me dire franc-maçon. Tu es sérieux. Sors de mon bureau. Comment? Moi, je suis en train de boire le sang de Jésus, tu viens me parler des francs-maçons. Non seulement tu n'es même pas franc et tu t'es mûr de maçonnerie, je ne les vois même pas. Et ils m'ont dit, on va voir. Je suis venu voir ma femme, j'ai dit, ah. J'ai eu des gens bizarres aujourd'hui, ils m'ont dit, on va voir. Donc, si le décret tombe qu'on nous enlève là-haut, même si on mange le riz blanc, c'est pas grave. Que la volonté de Dieu soit faite. Je suis resté encore à ce poste 2 ans. Jusqu'à quand j'ai été élu député. Et j'étais le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Et quand je suis arrivé à l'Assemblée, Dieu m'a aussi donné les postes là-bas. Alors, depuis que j'étais chrétien, j'ai été chargé des missions, chargé de la coopération décentralisée à la mairie de Libreville. J'ai été chargé de la coopération multilatérale au ministère de l'Agriculture. Chargé de la coopération multilatérale, la mairie, l'agriculture. Directeur administratif et financier au transport. Directeur général. Directeur général. Député. Député. À l'Assemblée, j'ai eu le poste de rapporteur à la commission des lois. L'Assemblée, Nganazaki, Molobeli, Nabasali Mibeko. Président comité ad hoc pour l'examen de la loi des finances. Nazalaki, président du comité ad hoc pour la Mobeko et Misolo. Vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale et de la coopération internationale. Vice-président de la commission affaires étrangères, de la défense nationale, de la coopération internationale. Jusqu'à ce que Dieu me disent, monsieur, Tatoyo, plein temps. Katanyon soana kota musala nzambe na bobimba. J'ai dit quoi? Alobinini. Attends, hein? Plein temps. Plein temps. Donc musala nzambe mususute. Il me dit ça au moment où alobelinga ango na tango nini. Un de mes aînés qui m'aimait bien à l'Assemblée vient d'être nommé premier ministre. Aïté. Un de mes aînés à l'Assemblée. Il venait d'être nommé premier ministre. Premier ministre. Et au moment, il me dit, oh mon petit, on part. On va entrer au gouvernement. Je vais te faire entrer au gouvernement. C'est là où Dieu vient me dire. Si ce n'est pas moi qui t'ai appelé, ton nom va sortir là. Mais si c'est moi qui t'ai appelé, ton nom ne sortira pas. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Je suis devant la télé. Le poste même qu'on m'a proposé. J'entends le nom d'une femme. J'ai dit ouais. Na yoki kombo ya mwasi moko bati wana na lobi wow. Ma femme a entendu crier, mais elle, c'est quoi? J'ai dit non, en fait, c'est le gouvernement. Mwasi nanga yoki nga koganga tuninga nini nga na lobi te. Gouvernement. J'ai dit donc l'affaire là est sérieuse, hein? Na bi likambo eza makasi.
Mais Dieu m'a dit, je vais te bénir plus que maintenant. Si tu me sers à plein temps. Effectivement, même quand j'étais député, j'avais l'argent. Mais mes affaires ne prospéraient pas. Mais quand je suis venu à plein temps, Dieu a ouvert la porte des affaires. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit, tu sais, les postes que tu occupais, que tu as occupé, je veux t'utiliser aussi dans le ministère. Que quand tu pries pour quelqu'un qui doit être élevé, il va être élevé. Parce que j'ai mis en toi l'onction de gouvernance. Parce que natikati na yo e pakoli ya bokami. Et les affaires aussi, Dieu bénit. Et puis, mimbongo na nga nzamba zo pa mola. Même mes enfants. Ata bana na ngai. C'est comme le pasteur local que vous voyez là. Pasteur ya église kuna na biso bozomona. Seulement qu'il est d'une modestie biblique. Mais il y a quelques jours avec son fils, les grandes banques du Gabon ont dit qu'ils ne peuvent pas recevoir son argent. Parce qu'ils étaient effrayés par le montant. Donc, pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Je ne peux pas être plus pauvre qu'un franc-maçon. Un franc-maçon ne peut pas être plus riche que moi. Non, je refuse. Naboyi. Fermement. Naboyi. Nous avons un mauvais témoignage. Quand tu trouves les pauvres, c'est les chrétiens. Les peureux, c'est les chrétiens. Les gens qui ne font rien, c'est les chrétiens. En te disant, l'ère du prophétique a sonné. L'ère du prophétique a sonné. Demain et samedi, je vais poser des actes prophétiques. Des actes prophétiques qui vont impacter la nation. Et ta vie ne sera plus la même. Aussi vrai que ce pays a honoré un prophète, Dieu va changer le Congo. Avant de prier pour les gens, je vais d'abord t'appeler. Si tu es là ce soir et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu reviens, soit les gens qui cognent le front au sol, les gens qui frottent le front au sol là. Les gens qui disent, Dieu, tu es où? Il dit non. Dieu, tu es où? Cela. Bango. Après, il cogne sur Dieu par terre, il frotte le front au sol. Ou bien si tu es de ceux qui croient à une femme, ou bien Sokozana Lingomba ya baoba ndimelaka mama moko boy, qui était disciple de Jésus, maman ya zalaka molandi ya Yesu, disciple de Pierre, wa zalaki molandi ya Pierre,
Et on t'a dit que c'est le chapelet qui sauve. Avance, je vais prier pour toi. Sauf si vous êtes tous là nés de nouveau. Mais si tu reviens de l'église catholique, de la religion, tu peux venir donner ta vie à Jésus. Et si je suppose que tous sont les chrétiens, je veux appeler quelqu'un qui est venu ce soir. Quelqu'un qui est venu ce soir. Tu es terrassé par. Ok. Alléluia. C'est pour toi que je suis venu à Brazzaville. Alléluia. Dieu nous aime. Vous savez, la joie qu'il y a au ciel qu'une âme donne sa vie à Jésus, c'est une joie que si toi qui es assis là pouvais voir ça, tu pouvais te lever et acclamer le Seigneur. Les acclamations n'ont aucune vitamine. Essaye de vitaminer ça. Alléluia. Tu vois, même ton amen n'a pas de vitamine. Attends, amen n'a yo vraiment. Et si l'ima ina makila. Alléluia. Amen. Un peu de vitamine encore. Alléluia. Tu es là ou tu n'es pas là? Osato, osate. Alléluia. Alors, vous allez répéter ces mots après moi. Dis, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi toute la vie que j'ai passée loin de toi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Dans ma vie, Seigneur, prends ma vie, lave-moi par ton sang précieux qui a coulé pour me sauver. Et je renonce à toutes les coutumes et traditions ancestrales, tout ce qui n'honore pas ton nom, les retraits de deuil, les ngangas, les marabouts, les coutumes et traditions qui ne t'honorent pas. Je quitte ça, Seigneur Jésus. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Sois glorifié au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. N'a qu'au sein de la bonne abino. Seigneur, bénis cette femme et ces hommes qui t'ont donné leur vie. Que toi seul sois leur maître. Que toi seul gères leur vie. Que toi seul accompagne leur être. Que nul ne se détourne ni à gauche ni à droite. Que toi seul sois leur maître. Merci Seigneur. Matondi Kolo. De les avoir bénis ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Vous allez rencontrer l'évangéliste Moketu tout à l'heure. Et je veux qu'un des pères. Évangéliste Moketu. Un des pères. Moko Katina Batata Telema. Quelqu'un qui peut s'occuper d'eux pour qu'ils intègrent une église
que vous aurez choisi pour qu'il adore le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Trouvez-leur des places de choix. Vous pouvez vous asseoir là. Trouvez-leur des places là. C'est le VIP de Jésus-Christ. La Bible dit que nul ne vient à Jésus si ce n'est le Père qui l'a appelé. Aucun homme n'amène quelqu'un à l'église. C'est le Père qui les amène vers le bon berger. Alléluia. Amen. Sois béni. Alors j'appelle quelqu'un ce soir. Tu as une douleur qui te terrasse depuis et tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Avance. Yaka awa. Soyez seulement ordonné. Vous n'êtes pas obligé de venir tous, vous pouvez vous aligner. Bochaka Molongo. Toi et moi on se connaît. Hein? On s'est déjà vu un jour. Hein? J'entends Angola. Hein? Pas fort. Hein? Angola. Hein? Tu viens de l'Angola? Ok. Power. Et quand j'entends Angola, Angola, la deuxième chose que j'entends cancer. Yami balon na zoyo ka cancer. Hein? Cancer de sein. Ah. Son of measure. La plupart vous n'êtes pas habitués à ces choses là, mais vous allez les vivre maintenant. Yes. Alléluia. Amen. Okobi kango sikoe. C'était juste pour te montrer que Dieu te connaît. Même si moi, prophète béni, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Et qu'il a déjà positionné une réponse à ta préoccupation. Tu sais pourquoi Dieu te répond? Parce que dans tes mains, je vois un ministère. Je te vois avec la Bible en train de prêcher la parole. Prophesy, my father. Hein? Je te vois en train de prêcher. Et aujourd'hui, tu t'es découragé. Pourquoi? Parce que la maladie t'a terrassé. Exactement. Mais Dieu me dit de te dire. Ça c'était avant. Mais après le toucher du prophète, ta vie ne sera plus la même. Oh, yes. Alléluia. Parce qu'il a toujours besoin de toi pour son service. Il va te guérir parce que tu dois poursuivre l'œuvre. Yes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de voir une image. Je vois cette femme. Ne pleure pas. Maman colle la tête. Je suis en train de voir cette femme. Moi oyo. En venant ici. Tango azalaki koya awa. Attendez, Seigneur. Azoloba kolo. Localise-moi. Zwanga. Aussi loin que l'Angola. Et sika na limo sika na Angola boy. Zwanga. Je dis même si le prophète de Dieu ne touche pas. Mais en fait, ma croyance, il est venu. Oh, ouais. Dieu! Il va le faire. Il y a le béni et Simbingate. Quand on a jamais Simbanga. Sois relax. Vous savez, je veux le dire à tout le monde ici. Ça pépélé. Je veux le dire à tout le monde ici. Vous savez, à l'hôpital.
Quand on opère quelqu'un, on t'anesthésie. Pasteur Armand. Quand tu opères les gens, on fait comment? On les endort. Avant de mettre le bistouri sur la personne, ouais. On est d'abord, la personne est d'abord anesthésiée, effectivement. Voilà. On anesthésie seulement. Que ce soit local ou général. C'est pour dire que de la même manière, quand on va prier sur toi, il faut laisser ton corps pour que Jésus opère. Sois humble. Parce que quand je prie pour toi, je ne prie pas dans la chair. Je prie en esprit. Parce que physiquement, je n'ai pas de force. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de force, donc reste tranquille, relax, ok? Maman, si la vie, cette chose-là, quand elle veut sortir, elle peut te projeter, ne tiens pas ton corps. Il y a des gens qui sont là pour t'attraper. Parce que je vois des gens, parfois le mal veut sortir. Mais je les vois se battre dans la chair. Comme si on s'occupe de leur chair. Alors pour moi, c'est ce qui est dedans là qui doit partir. Alléluia. Amen. Voilà. Donc tu n'es pas là soit pour essayer de vous tomber, mais tu es là pour te sauver. Et sois préparé à ça. Alléluia. Amen. On y va quand même, quoi. Autre chose aussi. Autre chose aussi. Écoutez ça aussi très bien. J'allais quand je prie pour toi, tu n'as pas à prier. La prière, c'est maintenant que tu l'as fait. Tu peux le faire, mais quand je suis devant toi, arrête de prier. Quand tu es dans la distraction. Tu as la douleur au pied? Tu as une douleur au pied? Ça, la douleur. Ça fait mal, hein? Depuis quel âge? Depuis la case au troisième. Ok, on va prier. Sauver la paix, hypertension. Jesus. 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 Jesus.
Ola ti ceinture ya malade yo ba bendi ampose. Longola yango. My father, hey, my God, Jesus, do it. Savez-vous ce qu'on appelle avoir peur du monde? C'est que si le monde arrive, il te dit fais ça, tu vas faire. Je vois un serpent qui t'a enroulé la hanche. Et ce même serpent, quand il lance le venin, tu as les maux de tête. Tu as des nuits que tu ne termines pas. Et tu vois toujours un homme qui vient s'accoupler avec toi. Prophesy, my father. Dipa, dipa. Go, dipa. Jesus. Lâche. Lâche. Jesus. Power. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. It is done. Power, Holy Ghost. Yes, ne les parlez pas.
va aller vite. Oh. Oui. Avancez. Ouais. Non. Ouais. Ok. Tu vas servir Dieu. Hein? Et quand je dis tu vas servir Dieu, je n'ai pas dit que tu vas servir pour. Tu dois le servir sérieusement. Tu dois prier beaucoup pour ton mari. Si tu ne pries pas pour ton mari, il sera faible. À cause de la beauté. Il faut que c'est toi qui pries. Ok. Parce que je vois dans ta famille, je vois des filles alignées comme ça. Elles sont assises. Et il y a personne derrière la chaise. Et je te vois te lever avec un homme pour aller en mariage. Et les autres sont restées assises. Et je vois comme une convention. Et cette convention va continuer à te poursuivre. Parce que la convention dit que tu ne peux pas sortir de ça et en même temps servir Dieu. Dis non. Convention, ton contrat, mon cousin, comment qu'on l'a d'ailleurs. Et qu'on l'a eu, on coquille que ça, les gens ont fait. Je vois les filles alignées. Et ça, n'a qu'à dire que je suis pas là. Ma fille, mon longo, ma femme. Quel homme derrière. Ça dit que je suis là. C'est vrai. Et toi, tu t'es levé, tu as eu un mari. Mais en ayant mari, tu es devenue chrétienne. Après, et en devenant chrétienne, la convention dit pas de chrétienté dans notre maison. Si mon Christ, acculé, famille, parce que tu es en train de trahir l'ordre entre griffes et tâches. Tu seras délivré de ça. Tu vas servir Dieu libre. Yes. N'aie pas pitié de moi, même avec tes deux mains. Je dis avec toute ta force. N'aie pas pitié de ma mère. Fina, Petra. Serre ma mère. N'aie pas pitié de ma mère. Toute la force que tu as. Fina, na makasi na onyosho. Power, Jesus. Laisse ma mère que tu l'as. Écrase-moi si tu veux. Fina. Bishop, mi una va a mener al hospital sin los brazos. Bishop, para comer mangan al hospital, los ojos y los bocos. El bocani. Sois béni, Jesus. Pambonama. It is done. C'est fait. Descends d'abord. Descends. Quand tu m'entends dire descends, c'est que vous avez les femmes, vous avez les étages. Descends d'abord au rez-de-chaussée. Nous entamons des cris et vous demandons de les répéter, exécutez-les. C'est pour réciter l'esprit prophétique. Ne soyez pas seulement admiratif. Mais mien boli mon esakoli. Côté la locale aux autres la théâtre. Jésus. Thank you.
j'ai des douleurs au genou et aux cuisses, enfin toute cette partie. Ouais, mais la teste ça encore. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire avec tes pieds. Mais quand que ça la négo ça quoi quand ça la tient. Pas me tenir debout longtemps. Ouais. Et tu n'arrives pas à faire quel mouvement encore? Les mouvements, j'arrive à les faire, mais dans la douleur. Dans la douleur, fais-les maintenant. Ah, ça, quand mon mouvement, quand c'est n'importe qui n'a pas si. Hein? Il n'y a plus de douleur. Oh fais God. Tous les mouvements que tu faisais avec douleur avant. Oui, te courber aussi. Oui. Les jambes, ok. Ça ne fait plus mal. Jésus t'a guéri. Jesus. Alléluia. Jesus. Et ta vie te libère maintenant au nom de Jésus. Et 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 libère. Tous ceux qui tombent là-bas, vous les amenez ici. Libère. Serpent, nyoka, tout esprit de contrôle, tout esprit de contrôle, tu libères maintenant au nom de Jésus. Tu pars maintenant. Je détache les conventions familiales. Je détache au nom de Jésus. Je détache la consécration familiale. Je détache la sorcellerie familiale. Je détache au nom de Jésus. Allez, libère ce corps maintenant. Allez, libère. Libère au nom de Jésus. Libère. Je décrète et je proclame. Libère au nom de Jésus. Le feu dévorant de l'Éternel. Moto et copela ya Yahweh. Ça bat maintenant sur cette forêt. Cette forêt. Na zamba oyo. Cette forêt. Na zamba oyo. Cette forêt. Na zamba oyo. Qui détient tes bénédictions. Oyo so kanga na qui détient ton ministère. Oyo so kanga loto mon qui détient tes finances. Oyo so kanga qui détient ton mariage. Oyo so kanga libala na yo. Qui détient tes dons spirituels. Oyo so kanga makabono na molimo. Libère au nom de Jésus. Aye, musika na kombo na Yesu. Libère. Kufa na kombo na Yesu. Toute maladie. Bokononyoso. Que tu sois fibrom. Eza la fibrom. Que tu sois myom. Eza la myom. Je t'écrase dans ce ventre au nom de Jésus. Nazo longolo na libumwa na kombo na Yesu. Je t'écrase au nom de Jésus. Nazo finayo na kombo na Yesu. Je déracine. Nazo picola. Je déracine. Nazo picola. Cette maladie. Bokono oyo. L'hypertension. La hypertension. La surdité. Na kokufa mato. La malvoyance. Je les déracine au nom de Jésus. Libère ses oreilles. Libère ma tête. Libère sa tête. Toi qui bloques les rêves. Je te chasse au nom de Jésus. Je
Sois qui bloque les visions. Je te chasse au nom de Jésus. Aucune résistance. Aucune résistance. Aucune résistance. Au nom tout puissant de Jésus. Tu es libre maintenant. Je te détache maintenant au nom de Jésus. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. J'ai dit tu es libre au nom de Jésus. Tu vas acclamer l'Éternel en tant qu'homme libre, femme libre. C'est pas comme ça qu'on acclame Jésus quand on est libre. Demande à ton voisin, tu es fauché. Demande à ton voisin, tu es fauché. Pourquoi tu acclames comme un fauché? Alléluia. Demain, nous aurons une soirée mouvementée. Lobby. Pourquoi? Alléluia. Nous aurons une soirée mouvementée demain. Pourquoi na biso lobby et koza la kita kita opimbo mbo aboy. Alléluia. Ce que tu vas avoir demain. Et loko yo koza lobby. C'est prévu pour 3 jours. Eza milulu ya mikolomi sa toi ouais. Tu as eu une partie aujourd'hui. Oje kaka mwa mukele lo. Demain la deuxième corde s'ajoute. Lobby singami balé ko bakisama. Et samedi la troisième corde qui fait la solidité. Bongo ya misato o epesa kama kasi na nyonso. Ko zongo samedi. Acclame encore l'Éternel. Peta lisusu maboko ya bien pona nkolo. Je sais qu'il y a des témoignages, vous allez les faire demain. Ba témoignage to ko zongo lobby. Je sais que tu as reçu la guérison ce soir. Tu as reçu la délivrance ce soir. Je sais que l'Éternel t'a touché. Et tu ne repars pas comme tu es venu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola binoka.